Shavua Tov les amis, une excellente semaine, Bezrat Hashem, avec des bonnes nouvelles et Refuah Shlema pour tous les malades et la délivrance pour tout le monde et la réussite dans tous les domaines et des évoguim pour le célibataire et des enfants pour les gens qui veulent en avoir et de la joie de vivre Bezrat Hashem. C'est la Iloula de la maman de Rabbeinu, Feigan Léa Shalom, qu'elle intervienne auprès de Rabbeinu pour qu'il nous accélère la délivrance de chacun et de chacune Bezrat Hashem. Qui nous permettent de progresser très rapidement. Rabbeinu dit que quand on cherche des points positifs en soi, avec ça on fait une mélodie. Et cette mélodie-là, elle nous permet de prier devant Hachem. Les gens ils pensent que quand ils s'angoissent, avec ça ils vont prier mieux s'ils sont angoissés. Et Rabbeinu dit c'est le contraire. Si tu es angoissé, tu ne peux pas prier. Si tu veux prier, il faut que tu trouves en toi des points positifs. Et pour Hachem, tu as en toi beaucoup de points positifs. Alors, si tu regardes ces points positifs, ça fait une mélodie. Et cette mélodie, c'est ça qui donne envie de prier, qui fait monter la prière chez Hachem. Alors, Bezrat Hachem, par le sceau de la Shrina Kdosha, qui se trouve ici, au Kotel, qui n'a jamais bougé, que toutes les prières elles soient acceptées et qu'on ait une délivrance dans la miséricorde, Bezrat Hachem. Ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu.